Je suis propriétaire d'un appartement loué en meublé quelques mois par an dans une résidence touristique. Qui doit payer la taxe d'habitation? Alors en meublé, normalement, c'est le locataire à condition qu'il y habite toute l'année ou que le logement soit à sa disposition toute l'année. Ça n'a pas l'air d'être le cas puisqu'il loue quelques mois par an. Sinon, ouais, c'est le propriétaire, sauf si dans son bail, il y a marqué qu'il n'a pas accès à ce logement, jamais, ni entre deux locataires. Non. Comme il n'y a que quelques mois de location, j'imagine que ça ne doit pas être le cas. Donc c'est lui qui va payer la taxe d'habitation. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas tiré d'affaire pour autant, car il y a une taxe supplémentaire, une contribution foncière d'entreprise, l'ancienne taxe professionnelle, qui va il doit la payer. Alors, quand on n'est pas un professionnel de la location meublée, hein, il y a deux catégories de loueurs en meublé, elle n'est pas très chère, c'est un forfait environ de 300 euros. Mais visiblement, il faudrait qu'il paye quelque chose.